Nocte ! Ça va ? Mets-toi à couvert ! Je vais l'occuper ! Nocte ! Par ici ! Dépêche-toi ! Il va recommencer ! Baissez-vous ! Je vous couvre ! Tiens, Nocte ! À notre tour ! L'heure est venue. Tout est en ordre pour ton départ, Prince Noctis. Merci, Votre Majesté. Trace ta route, et que les dieux veillent sur toi. Oui. Eh ben, les princes ont des privilèges, on dirait. Comme passer outre le protocole. Heureusement qu'on t'a pas demandé un discours. Votre Altesse ! Quoi encore ? Il semble que j'ai omis de te dire certaines choses. Tu poses sur les épaules de tes amis un bien lourd fardeau. Eh ben voyons, tu peux parler. En aucun cas je ne vous demande d'éduquer mon fils, mais de prendre soin de lui du mieux que vous le pouvez. C'est un grand honneur. Nous guiderons le prince jusqu'à Alticia au péril de notre vie. Ouais, carrément. Bon, Cor nous attend à la voiture. Faudrait peut-être qu'on y aille, non ? Rautos, prends soin de mon père. Une dernière chose. Surveille tes manières en présence de ta future épouse. Mais vous prenez bien garde à ne surtout pas offenser nos hôtes de Niflheim. Je sais très bien ce que je fais. Moi aussi. Écoute, le long voyage qui t'attend est sans retour. Jusque-là, rien de nouveau. Je tiens simplement à m'assurer que tu es bien conscient que tu quittes ta patrie. Faut pas t'en faire pour moi. Tu sais, je suis ravi de voir du pays. Tu devras être très prudent. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'oublie jamais que tu représentes notre lignée. Garde la tête haute, mon fils.
On n'avance pas. Pas cool la vie à la campagne. Plus dur que je le pensais. Pas le choix, faut continuer à pousser. Hein? Oh, si je continue, vous aurez ma mort sur la conscience. Bouge tes fesses. Dépêche. Ça va, j'ai compris. Dites, c'est pas la voiture qui doit nous transporter? Ouais, ce serait beau. On y va. Un, deux, un, trois. Gladio, sois un vrai pote. Comment ça? Tu pourrais pas la pousser, s'il te plaît? Tu veux dire tout seul? Allez, pour un gars aussi musclé, c'est de la rigolade! Ce qui est moins drôle, c'est voir à quel point t'es flemmard. Nanana. On peut se concentrer sur notre tâche? Laisse-moi conduire, Ignis! Mais t'étais au volant il y a pas 5 minutes! C'est vrai, ça! C'est mon tour maintenant! C'est beau de rêver. Je vois. Le monde est plus grand qu'on l'imagine. Et plein de merveilles aussi. Oh, ça me fait une belle jambe. Salut les gars, je vous attendais. Alors, dites-moi, lequel de vous est le prince? Ah, enchanté, votre Altesse. Félicitations pour vos noces. C'est encore un peu tôt. Dame Luna Freya ne serait pas contente d'entendre ça. Nous sommes désolés pour le retard. Vous devriez garder vos excuses pour le patron. C'était qui, toi? Cindy, la petite fille de Sid Sofiar. Je suis mécano ici. Dépêchez-vous de la rentrée! Régis vous a pas dit de faire attention à sa voiture. Elle mérite d'être traitée avec délicatesse. Noctis, le fils de Régis? Ouais. C'est vrai que tu ressembles à ton père, mais t'as pas l'air d'en avoir la dignité. Quoi? C'est un voyage important qui t'attend, fiston. À voir ta tête, t'as pas l'air de bien t'en rendre compte. Ça va me prendre un bon moment. Rentrez là dans le garage et allez faire un tour. Bon, bah vous avez entendu, on y va. C'est par là. On n'a pas d'autre choix que d'attendre. Pas trop longtemps, j'espère. Bon, on n'est pas à quelques heures près. Dans ce cas, autant en profiter, non? Regardez-moi ça. Ils ont de l'ébony ici. Ignis va halluciner. Mais c'est quoi un guil? Noct, personne va prendre notre monnaie ici. T'inquiète, je suis sûr qu'Ignis a tout prévu. Allons le voir. Donc faut multiplier par 4 et... Un problème? T'as de la monnaie? En argent local?
Eh bien, j'ai payé Sid pour les réparer et il ne me reste plus que ça. Et rien d'autre, malheureusement. Gladio avait aussi un peu d'argent. S'il est sympa, il t'en donnera. On est sur la paille. On est fauchés comme les blés. Ouais, t'as tout compris. Quand j'y pense, le vieux nous a fait payer une vraie fortune. On va pas se laisser faire. En tout cas, ils savent vraiment comment attirer le client. Tu veux parler de la devanture ? Ouais, la devanture. J'en ai ras-le-bol de marcher. T'as qu'à courir. Ha ha, très drôle. Déjà de retour? La voiture est loin d'être prête. Y a un problème? Bah, en fait... Ça me gêne de demander ça, mais... Tu pourrais nous prêter du blé? Hein? Ah! Ça y est, j'ai compris. C'est un coup de papy. À ce prix-là, ça leur servira de leçon, il avait dit. Par ailleurs, papy compte sur vous pour éliminer la vermine. La présence de ces monstres décourage nos clients. Bien sûr, vous serez payés pour cette mission. Avec votre argent, en quelque sorte. Oh, et moi qui espérais pouvoir gagner de l'argent sans avoir à me fatiguer. Normalement, pour ce qui est de la vermine, on appelle les chasseurs. Quoi? Quels chasseurs? Bah, des chasseurs de primes. Ils assurent notre sécurité, mais on doit les payer, bien évidemment. Vous m'avez l'air d'être une sacrée équipe. La vermine du coin n'a plus que quelques heures à vivre. Mais j'aimerais pas avoir une mort royale sur la conscience. Vous sentez pas obligé, hein? T'inquiète, je devrais m'en sortir. Tant mieux. Merci et bon courage. De mon côté, je vous fais signe dès que la voiture est prête. J'ai un caillou dans ma chaussure. T'as qu'à l'enlever. Ouais. La marche, ça a ses limites. Surtout pour ceux qui ont grandi à la ville. Imaginez que vous marchez vers la voiture. Ça s'étend à perte de vue.
Ouais, je vois pas l'intérêt de courir, là. Un peu d'exercice te ferait du bien. Comment ça se passe? Pour le moment, pas de problème. Ouais, je m'attendais à... Un ouragan! Il est énorme! C'est vraiment un oiseau, ça? C'est une turbine! On pourrait revendre ça pour se faire un peu de fric. Ça va être vite réglé. T'as peur de rien, toi? En tout cas, ils savent vraiment comment attirer le client. Tu veux parler de la devanture ? Ouais, la devanture. J'en ai ras-le-bol de marcher. T'as qu'à courir. Ha ha, très drôle. C'est trop dangereux!
vite d'ici! Merci. J'ai cru que j'allais y rester. Ok, mission accomplie. Le soleil est parti se coucher. Ouais, on n'y voit plus grand-chose. Tiens, qui appelle? Allô? Salut, c'est Cindy. La chasse se passe bien? Salut, ouais, on a fini. Ça tombe bien. J'ai une autre mission pour vous. Cette fois, il faut retrouver un disparu. C'est un chasseur qui s'appelle Dave, et qu'on n'a pas vu depuis un moment. On m'a dit qu'il serait peut-être coincé dans une cabane. Une cabane, tu dis? Ah, je vois. Bien compris. On s'en charge. Qu'est-ce qu'elle dit, Cindy? On doit retrouver un certain Dave. Il a disparu dans la nature? Ouais. On raconte qu'il se cache dans une cabane. Un message? Vous défouler un peu? Si tu veux, moi je suis prêt. Bon ça! C'est pas mal du tout! La touche. Et voilà, affaire réglée.
Vous croyez que cette bande d'affreux a fait sa fête au pauvre Dave ? J'ai pensé à une nouvelle recette. Ah, j'ai hâte d'y goûter. Dis, Noct, t'as vu ça? T'aimes pas les insectes, toi non plus? Moi? Grave, ça me dégoûte. Moi aussi. Ceux-là, ils rigolent pas. Et ils me font pas rire. Alors c'est toi, Dave le chasseur? On te cherchait. Ça va aller? Désolé pour le dérangement. Je suis coincé ici depuis que je me suis tordu la cheville. Les monstres étaient pas comme d'habitude. J'ai réussi à les éliminer. Sauf un plutôt coriace. Vous n'êtes pas des chasseurs, mais vous êtes costauds. Ce serait sympa que quelqu'un finisse mon boulot. Ça vous dit ? Ok, on s'en occupe. Mais... il y aura une récompense ? Vous êtes courageux. Je vais vous dire où je l'ai vu la dernière fois. Je chasse les bicornes depuis des lustres. Mais j'en avais jamais vu avec des cornes rouges. Les nuits sont de plus en plus longues. Ça provoque peut-être des changements chez les monstres. En tout cas, il faut éliminer cette créature. Avant qu'elle... Ah, je me demande si on pourra un jour remonter dans cette magnifique voiture. Ouais, c'était bien d'être assis toute la journée. Et surtout de pouvoir faire la sieste. Y a pas à dire, on est bon. On devrait en tirer quelques guilles.
Tu sais ce que t'aimerais manger ce soir? Bof, du moment que c'est comestible. Oh, je t'ai déjà dit que t'étais pas marrant. On ferait bien de faire une pause avant de se lancer dans la bataille. Ouais. Bonne. Ok. Mais il faut qu'on trouve un lieu où camper. Exactement ce que je voulais. Regardez! C'est lui? C'est un bicorne, ça? Oh. Ne parle pas trop vite! Vois ça!
Ce n'était pas de tout repos. C'est terminé. Et comme Dave a été retrouvé, on retourne voir Cindy. Ah, ça sonne. Allô ? Merci d'avoir retrouvé Dave. Il vient de m'appeler pour dire que ça va. Oh. J'ai une bonne nouvelle. La voiture est enfin prête pour la route. Elle vous attend au garage. Génial. Noct, tu sais ce que t'aimerais manger ce soir ? Bof, du moment que c'est comestible. Oh, je t'ai déjà dit que t'étais pas marrant. Ça a été un peu long, mais à mon avis, ça devrait vous plaire. Raison de plus pour en prendre soin. Ah, dites, avant que j'oublie. Vous pourriez effectuer une petite livraison pour moi ? Ouais, pas de problème. Ah, génial! Cool! Comme je savais que vous alliez dire oui, j'ai tout mis dans le coffre. Vous allez trouver un motel sur la route de Galdina. Si vous pouviez remettre le paquet au propriétaire de l'hôtel, ça serait génial. Alors, bon voyage et merci!
Yeah.